coutume et bienvenue pour cette rediff de live pour le Not So Berry. On retrouve. Ça y est, je commence déjà à bien m'exprimer. Lila et Dan. Cucu les copains de la rediff. Les divorcés du Not So Berry qui dorment tranquillement. Et on va essayer aujourd'hui toujours d'avancer. Bon, pas forcément dans l'aspiration, dans le travail parce qu'on s'en fout en fait. Pour l'instant, on s'en fiche. Peut-être l'aspiration. Nathan au niveau 8, ouais, donc ça veut dire les compétences. Peut-être un peu de compétences et puis aussi essayer de rabibocher ses anciens amoureux qui vont le redevenir. Les divorces, les futurs mariés, exactement. Ils ne le savent pas, mais ils vont se remettre ensemble et ça va faire pas des chocs à pic, mais des gosses. Salut 23, comment tu vas? Comme ça, c'est fait. Bon, on va accélérer, sinon on va perdre un peu de temps. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais ah, il va retourner pleurer sur la tombe de la voisine dont on n'a rien à fiche. Tu vas faire ça? Lui travaille ou pas? Je me souviens plus. Il travaille dans 2 heures. Bah bien, parfait. Perfect. Et tiens, vu que t'as le temps, t'iras nettoyer aussi la... Voilà, la voisine est crevée. Et oui, dans l'épisode précédent, on a la voisine d'ici qui est crevée, je sais pas où, là. Et elle a crevé des... Je sais pas, parce qu'il y a même pas sa tombe, y a rien. Ah si, la tombe, elle est là. Voilà, elle est là. C'est une vampire, en fait, elle a cramé au soleil, cette idiote. Donc elle est là. Voilà. Je sais pas pourquoi le truc est là, alors qu'elle habitait là. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Oh, bah tu chantes faux, mon gars. Alors, Lila... Il est 6h du matin, elle travaille à 9h, elle aura besoin d'une douche et de manger. Ça va mon bébé choupette? Tu fais encore la tête? Bon, il redemande à bouffer, ben, il attendra. Hein. Ça c'est fait. Quoi la tombe de la... Non mais c'est bien, c'est qu'on n'a pas récupéré la tombe parce que moi je voulais pas de la tombe dans la baraque quoi. Non non mais elle a la pop en dessous. Voilà. Bon, je la laisse dormir quand même un bout de temps parce que... Alors toi, tu vas partir au travail. On te veut pas dans les pattes. Ah, par contre, si, ça aurait été bien. Mais elle travaille, donc en fait... parce que sinon, j'aurais pu le gérer pour qu'ils se remettent ensemble, mais bon. Il va me foutre pas foutre ça par terre. Quand même. Ah oh, bah si, il s'en fout. Rien à foutre, il se casse. Allez. À plus dans le bus. Super. Alors, toi, tu vas te prendre une douche. Tu vas me faire un petit pipi. Ah, oh, arrête de te plaindre. J'ai pas encore fait le portrait pour elle qu'il faut que je fasse. Enfin, falloir que je fasse. Dans 1 heure, mais elle aura jamais fini de bouffer et de faire tout ce qu'elle doit faire. Si tu peux manger en même temps. Tiens, tu vas manger le cupcake. Que c'était le père de Dan qui l'avait ramené. On n'ira pas avec elle au travail. Hein. Je m'en fiche, hein. J'ai pas envie. Regardez Adonis comme il est tout vieux. C'est tristesse un peu. Allez, une demi-heure pour la douche, c'est bien assez. Oh, ok, t'es jolie. Qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Une musique sur le harcèlement, c'est possible ça? Tu peux libérer l'esprit? Je suis pas sûre vu que c'est fermé. La boule lumineuse, c'est parce qu'en fait elle est morte, cramée par le soleil. Bah là elle est partie. Donc en fait quand t'as les fantômes, t'as la raison de leur mort entre guillemets à l'intérieur de leur corps. Enfin certains c'est plus visible que d'autres. Et elle comme c'était une vampire, ben... Elle aime le cake aux fruits. Qui? Ça elle mange, regardez. Elle va devoir les bouffer. Elle doit penser à sa soeur. Regarde la télé. Bon, bah trop tard. Elle va bosser. D'ailleurs, toi, on va te faire travailler dur. Oula, déjà, stagiaire à gérer. Lila s'est vue attribuer un stagiaire à former et diriger. Comment doit-elle gérer son stagiaire? Lui faire faire le café ou lui donner des tâches difficiles? Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on lui demande? C'est le chat qui choisit. Le café, une voix. Mon pack préféré, c'est saison. Enfin, moi, je le trouve indispensable, en tout cas.
Cupcake. Oui, d'accord. Café, café, café. Tagi... Ouais, moi, c'est plus café qui gagne, quoi. Allez, on est sur full café. On est parti. Et c'est un gain de performance moyen. En même temps, on s'en fiche, hein, parce que pour cette génération, on n'a pas besoin d'aller au niveau 10. Vas-y, discute avec les collègues. Oh, 533. Elle a rencontré Fui Fui. Vas-y, détends-toi, on s'en fiche. De toute façon, pour son aspiration, il fallait atteindre le niveau 3 dans 3 carrières, on l'a déjà validé. Maintenant, ça va être les compétences. Donc en fait, c'est pas bien grave. Alors, lui, il est revenu. Oh, bichon! T'aurais besoin de divertissement! Je t'aurais bien fait faire crac-crac, mais. Faut que tu sois de bon mood avec ta cocotte là, avec Lila. Tu vas faire ça et puis tu vas t'entraîner au combat. Je suis pas sûre que ça te distrait par contre. Ah, il a fait pipi. J'ai vu son sgeg. Pas de soucis, Guillaume. Oh, je t'envie. Quoique j'ai pris des trucs qui peuvent faire apéro. Hein. Si je fais des courses aujourd'hui, on s'en fout. Je sais YouTube, je suis désolée, je raconte ma vie. Vous savez que sur Twitch, je raconte tout le temps ma vie. Donc si ça vous intéresse de savoir ma pauvre vie de merde, vous venez sur Twitch. Il a pas tiré la chasse, quel crado. Je suis Kiko. Origine nécessite une mise à jour cruciale dans 2h50. Une mise à jour cruciale sera nécessaire dans 2h50. Veuillez quitter votre jeu et relancer Origine avant, sans quoi vous passerez en mode hors ligne. Bah, pas de problème, tu l'as. Enfin, ne fais pas peur comme ça. Ah, comment le robot il parle! Oh, Scrabble! Ouais? Mais c'est ça, en plus, j'ai regardé, vous l'aviez pas, mais il est apparu sur mon écran comme ça. Ça fait peur. Ils vont refaire toute l'interface, j'ai vu une photo. Oui, ce sera en noir d'après ce que j'ai vu? Enfin, j'ai cru voir ça. Ton PC va s'auto-drip, c'est ça. Bon, ça l'a pas diverti pour un sou. Alors, Cocolito, tu vas ouvrir, tu vas manger. Une portion de boulette à l'italienne. Ah, les enfants, je me suis acheté des tomates. Alors, c'est pas ça qui est incroyable. C'est juste que je vais essayer avec ces tomates de me faire des tomates farcies. Je n'ai jamais fait de tomates farcies de ma vie. Et là, j'ai envie d'essayer. Je sais même pas ce qu'il faut dans la farce, mais c'est pas grave, je vais essayer. En plus, je me suis fait un chili ce midi. C'était trop bon. Ça faisait trop du bien. Enfin, et là, je vais faire de la courgette, de la purée de courgette tout à l'heure. C'est ma vie. Voilà. Je suis allée faire la cuisine. C'est merveilleux. C'est pas forcément bon. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne sais pas encore si ce sera bon, mangeable. Hein. Le chili, par contre, si. J'ai même rajouté du maïs cette fois-ci pour faire du vrai chili. Bah écoutez, ça passe nickel. Hein. Faut envoyer le FBI. C'est caca et tomates farcies. Mais non! Après, je sais pas ce qu'il y a dedans et je pense que je ferai à ma sauce, hein, à ma propre farce. Mais moi, j'aime bien. Enfin, je. Elle est revenue! Pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde! Je crois qu'Adonis. Oh, Adonis, il est mort! Oh merde! On a pas eu le message. Il a essayé de nous appeler, on l'a ignoré. Oh, Adonis, il est mouru, poil au chlu. Reste une pepperoni le padré. Ah bah du coup, elle va être trop triste pour draguer. Et pourtant, putain, mais j'en ai marre qu'elle dorme pas ces nuits, hein, c'est incroyable. Hein. On va parler à maman. Bonjour ma chérie, c'est maman. Allez, viens, maman. Bien sûr, si tu n'as rien de prévu, je passerai à tout à l'heure. Et là, tac, tac, tac. Non? Elle est où, maman? Ah, bah, elle est là. Ouais! Eh! Au taquet. Ça y est, elle est veuve. Bah, oui! Bah, je sais. Je sais, Lununu. On va te donner des conseils médicaux. Je suis horrible. Horrible, demander conseil. Et tais-toi, toi. Tu peux te crier son adoration. C'est vrai qu'elle est connue. Hein.
Mais la demande d'abrogation, faut que je la recommence. C'est pas grave, je la recommencerai. C'est pas un souci. Se plaindre de problèmes. Allez, enlacez tendrement. Mais elle est tout le temps crevée, Lila, moi. Ça m'agace un peu, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tricoter. Reprends le tricot. Elle se fout pas un peu de ma gueule? Regardez tout ce qu'elle a commencé à tricoter sans mon accord. Mais Lila, mais t'es une folle. S'il te plaît. Je vais faire ça, robe pull. Parce que c'est intéressant, ça peut être des belles fringues. Mais putain, elle a tricoté 10 000 trucs, là. Se fout de la gueule de qui? Courgette, va. Espèce de courgette. Ouais, toi, enfin, si, je mets juste du hachis de bœuf avec des oignons. Ouais, mais je vais voir ce qu'il y a sur Internet comme recette et j'adapterai en fonction de mes goûts et tout, je pense. C'est parce que t'as pas redémarré Origine. Un camp élève cuisine. Oh, tu verrais ma cuisine, tu vas pleurer. C'est pour ça qu'il faut que je la refasse, refaire. Salade de tomates jardin store, c'est bien bon. Ah, ça c'est bien ça. Salut CC, comment tu vas? Cucu les petits cucu Shirley, vous allez bien? Coucou Madame J, comment ça va? Après, on peut faire croire qu'elle aime pas le tricot. C'est ça. Bon, je t'ai dit de tricoter en fait. Alors, pour aller mieux, il faut que tu te laves les mains avant de te faire sculpter. Allez. Je sais pas à quel niveau elle est au tricot. Hein. Niveau 5. Mais tu peux pas parler avec ta mère? Avec ta mère, wesh, ta mère. Tu vas faire tout ce qu'il peut faire gagner en machin. Du coup, je pense pas. Enseigner le tricot. Ouais, non, on n'a pas le temps d'enseigner le tricot. Ta pauvre mère, elle est vieille et seule maintenant. Veuve. Oh la vache. Tu dois faire quoi, toi? Tu dois pisser. Et toi, tu dois aller courir. Bon, bah, va vite pisser. La durée de mise en vente de votre tricot a expiré. Ah ouais? Ah ouais. D'accord. Ils veulent pas de mes trucs, les gens. J'avais même mis la grande toile et tout. On peut mettre ça? Non, on peut pas mettre ça. On peut mettre ça? Non, on peut pas mettre ça. Bah tant pis, on va ajouter la garde-robe. Hein. S'ils en veulent pas, on l'a déjà. Tu vas le donner une œuvre caritative, allez. On est comme ça, nous, on a le cœur sur la main. Viens pas faire un gâtal, toi. Non, ça va. Non. Il est à poil. Non, pas marcher au pain. Tu vas courir. Il est quelle heure? Il est déjà 20... Il est 20h30 chez eux. Pas encore chez nous. Je vais commencer un autre Sobéry aussi. Vas-y, tu m'influences, il me trop. Sans... Putain, mais Marie, t'es trop influencée aussi, hein. Dis donc. Plus, c'est vrai que quand je le faisais, y a personne qui le faisait en vidéo. C'est pas que je l'ai fait exprès, c'est ce qui m'a donné envie, en fait. Regardez comme elle était belle, ma Nunu. Hein. Voilà. Nunu avant. Nunu après. Comme ça, la vie. Mais tu parles pas, en fait. Tu knites à fond, mais... Je vais pas faire de vidéo que sur... que sur Discord. Bon, bah voilà. Sa mère, elle est partie avant. Lui, ça va. Il a été courir... 50%. Bah t'y retournes mon chou, hein. Allez. Elle a terminé son projet de tricot. Bah il était temps, Gertrude, tu vas les bouffer. Oh là là, mais non, mais c'est long. Hein, c'est long, hein. Quand j'ai fait la vidéo de test, moi j'avais triché avec les besoins. Hein. Celle-là, on va la mettre à la garde-robe. Comme ça, elle pourra... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu vas faire le don. Pardon, j'avais pas capté. Mais on n'a pas une boîte aux lettres, nous? Elle est là. Oh merde, il va falloir payer les factures aussi.
Tu paieras les factures. On n'a plus trop de sous, hein. On est qu'à 3008. Ça va, madame, si ça va bien. Ça, elle mange. Puis après, t'iras te pioter. On a déjà fait une journée. C'est, tu vas pleurer d'ailleurs parce que t'es triste. Non. Oui, mais tu vas pleurer. Pleure pour ton papou. Oh, papou! Faudrait que j'aille quand même récupérer les tombes parce que j'ai toutes les tombes de tout le monde et je voudrais pas faire l'impasse. Davine, petit. Davine, petit. C'est qui Davine Petit? Je savais même pas que j'avais sa tombe. Qui c'est qui est venu crever? Ah bah oui, c'est la voisine qui était crevée sur le pas de la porte de l'ancien appartement à Saint-Michel-Chauneau. Ça, je comprenais pas. Entendez de la musique, ça vient pas de chez... Enfin, ça vient de la rue. Salut, petite dragonne, comment tu vas? Oh non, hé hey. Putain, elle déconne. C'est quoi cette Sims en carton là qui mange pas, qui... Oh là là, du coup, elle va pas pleurer, hein. Bah non, hein. Va dormir après. Allez, relève-toi! Bon, ce temps-là, lui, il court. Je crois que j'ai un Kevin dans la rue là. Je sais pas si vous entendez, hein. Du coup, le chien, il aboie aussi maintenant. Tu vas prendre une douche et dormir. Elle va pleurer. Voilà, comme ça baisse à fond pour son papou. Ça va, ça craque enfin d'un schnorr. Putain! Quand je me suis un peu endormie devant Lucifer cette nuit, quand je me suis réveillée, il était 4h11. Et j'ai été fermer mes fenêtres parce que j'avais laissé tout ouvert pour que ça aère. Et je regarde comme ça la fenêtre de ma chambre. Et là, je vois sur Paris. Il y avait, mais quasiment toutes les secondes, il y avait un éclair, mais c'était magnifique. Je suis restée 10 minutes comme ça à regarder les éclairs. Je suis, ah, c'est trop bien et tout. Puis je me suis dit, bon, bah, allez, je vais me péter. Ah, mais ça a pas plu. Je pense pas que ça a plu en fait. Allez, dors. C'est peut-être, j'ai peut-être pris un lit qui est pas super pour qu'elle soit fatiguée comme Coucou les ça. copains, coucou YouTube, vous allez bien? Comme s'ils allaient me répondre, lol. La vautelle, suçon, Suçon! cœur bleu. Ça va, mon soldat, comment tu vas? Ça va, mon soldat, comment tu vas? Cucu, plutôt, comment tu vas? On est en alerte orange, on a eu des éclairs, mais ça gronde pas. C'est des éclairs de chaleur, ça. C'est à cause de la chaleur, du coup, ça se... les ions se font des échanges, et puis... Mais là, c'est tellement respirable ce matin, enfin ce matin, ce midi, tu te lèves, toutes tes fenêtres, tu fais... Ah, c'est tellement respirable, quel pied. Par rapport au dernier jour... Mais oui, elle a un lit de merde! Lui, il remonte 3... Non, mais je vais changer son lit. Dis donc, les Sims, là, vous nous avez mis un lit de merde, là. C'est énergie 5. Ils sont lui, à lui, c'est quoi? Merde, mais c'est pas ce que je voulais faire. Énergie 8! Ah bah oui, bah ça... Énergie 5. Mais ouais, mais ils sont pas. Des fois, ils sont jolis, mais la qualité de c'est nul. Faudrait que je prenne ça. Bon, je lui changerai de lit quand elle sera plus en train de dormir. Choisis un beau petit lit sympa et en fait, elle dort mal dedans, s'il te plaît. Ah bon, bah, j'ai pas le temps de choisir, il va bosser. Ouais, il tente de dormir toute sa nuit. Vas-y, va dormir dans le lit de ton ex. Tu récupéreras plus vite. Ben non, on va pas l'accompagner. Eh, va bosser. Bah ouais, bah t'as pas eu le temps de pisser ni rien, mais bon, je suis désolée. Hein. Tu iras là-bas. Hein. Oh mon Dieu, on va encore se prendre des amendes. Ah, madame!
Technicienne en pollinisation senior numéro 3. D'ailleurs, ça me fait penser que, madame, tu vas justement. Voilà. Hop! Ah, t'as commencé à endormir devant Lucifer. On n'est pas le 21 fichtre qu'elle est cette diablerie. Visage effrayé. Bah, je me refais les 4 saisons. Je l'ai déjà dit, mais c'est parce que t'es pas là. Hop. Ça, je les supprime parce que j'en ai marre des PNJ. Hop. Il y a juste les sorciers qui sait pas. Et puis, tu t'appelles toujours technicienne en pollinisation? Non, on n'a pas le temps, Ronde. Et toi, tu vas travailler dur. Initiative de recyclage. Un nouveau défi. Lila a besoin d'un nouveau défi au travail. Comment le demande-t-elle à son patron? Est-ce qu'on fait des suggestions ou on demande clairement un défi? Que fait-on? C'est lequel tableau pour qu'il n'y ait pas de monstre sous le lit du gosse? Un tableau? C'est une lampe, normalement, non? Non, t'inquiète, mon soldat. Oui, je me refais tout pour justement être à jour sur la saison 5 là, qui arrive. Je suis à la saison 4. Limite, je crois que je suis déjà à la fin. En fait, je sais plus combien d'épisodes il y a. Donc j'aurai un petit gap, mais c'est pas grave parce que j'ai la saison 2 de Umbrella Academy à regarder. Donc, je suis en train de regarder Lucifer en plus saison 3 avec celui qui va se marier avec Chloé. Avec Pierce. On demande clairement un défi. Ok. C'est une gain de performance moyen. C'est moi. Discuter avec les collègues. Alors, j'ai appuyé sur la flèche au lieu d'appuyer sur eux. Bah bravo, Dundun! T'as eu ta promotion, Dundun! Ah, je connais ça, c'était Lionel. Et je crois qu'il était arrivé là. Hein. Il n'avait pas été plus loin. Il a été promu au sergent minor. Gagnera désormais 17 simflous de plus à l'heure, soit 71 de l'heure au total. Et également. Oh, putain, j'ai du mal. Reçu en bonus 869 simflous et récompense. Ingénierie et construction. Atteint niveau 5 et s'entraîner en combat avec d'autres Sims. Ah ça c'est relou. C'est pour ça que Lionel il a jamais été loin. Parce que en fait c'était super chiant à faire ça. Bah tu vas découvrir. Direct. Voilà. Parce qu'il faut qu'il atteigne le niveau 5. Après il ira faire le ménage. Il ira prendre une douche et il s'entraînera au combat. Faudra que Cocotte elle soit là pour faire ça. Quoi? J'ai oublié d'insta. C'est pas grave, trop tard. Oh bah ils ont qu'à être tout de suite là. Hein. Ils ont qu'à être là. Ils ont qu'à être là les Instagrammeurs. Alors. Je suis en train de. Nanana. Clairement Lionel est ripé. Comme ma Hélène d'amour. Hein. On en est tous là. Hein. On va regarder Dan. Ça va monsieur. En fait, c'est trop drôle parce que pendant qu'il courait, vu qu'il arrête pas de sauter, pardon. Je vais à la pérale, je vous fais des gros bisous sur vos petits culs. Lave, lave, lave sur vous plus petits que trois. Lave-t-il sur son cœur bleu. J'avais l'impression qu'il avait une tête et directement, il avait pas de cou, mais il avait son torse en fait avec les images qui faisaient ça. C'était rigolo. Oh, ça va niveau hygiène en fait, mec. Minou, à toi, ya! D'ailleurs, je vais changer de lit. C'est mon héritière, elle doit avoir un meilleur lit. Putain, 1000 boules! 1000 simflouz pour un truc qui a qu'une énergie 5, c'est abusé. Pff, ouais. Et là, il n'y a pas... Ah si, en rose. Ouais, mais avec les fenêtres, ça passe pas. Attendez, on va... Ouais, je suis peut-être celui-là. Énergie 8, mais 3500. On a 5000, mais quand même, faut pas déconner. Qu'est-ce que c'est, ce... Drone de diffusion. C'est vrai que je l'ai jamais utilisé, ce drone. Énergie 6. Ouais, les autres sont encore plus chers, quoi. C'est abusé. Quelle arnaque. Moi je veux un lit, hein, seulement.
Bon, bah, je vais prendre celui de grand-mère, hein, parce que ben pas trop le choix. Au moins, elle dormira mieux dedans. Elle sera pas crevée tous les jours, quoi, parce que c'est pas possible. Bon, on a encore moins de budget maintenant. Et bon appétit, mon soldat, des bisouilles. Ça me donne soif, c'est tout ça. Elle a gagné 291 simflouz. Waouh, quelle bête. Tiens, tu sais quoi? Tu vas me faire une toile triste. Ensuite, tu vas t'entraîner au yoga. Je vous rappelle qu'il faut atteindre pas mal de compétences niveau 8. Alors, je vais pas mettre... je vais mettre ça, parce que même si je vais aller vite, parce que j'ai l'impression que quand je suis en vitesse 3, eh ben, je perds du temps. C'est-à-dire que le temps passe très vite, mais eux, faisant les actions, ne sont pas en vitesse 3. Donc, il peut faire ça avec l'IA. Allez! Oui, t'es très triste. Il vient. Oh, il illumine sa journée. On va draguer un petit peu. Il fait oh, comme t'es belle. En plus, là, t'es habillée vraiment comme un sac. Hein. Conversation agréable. Je me suis piqué sur le pied, c'est horrible, ça gratte qu'on nous stique, putain. Moi, je vous avoue que j'ai de plus en plus envie d'acheter un espèce de baldaquin moustiquaire, vous savez, pour les chambres, pour les lits. C'est un nid à poussière, ce machin, mais je suis sûre que... Tac. Après, ça l'a ralenti, hein. Et lui, il est content. T'as faim? Tu t'ennuies, bichette? Vas-y. Bah, il y a des trucs à manger. Hein. On va te faire manger un truc. Mange une portion. Oula! Bon, alors, ne la drague pas. C'est bon, laisse-la tranquille. Elle est pas d'humeur. Là, c'est Ranyaga. Elle a pas envie que tu la dragues. Ouais, vas-y, viens, lavande. Alors, on a tellement de trucs. On est toujours au niveau 5. Peinture niveau 6. Saluté, lavandou! Elle a mis ses petits vêtements d'hiver, lavandou. Pourquoi vous êtes l'un après l'autre, là? Vous faites peur? Oh, putain, lavande, t'as pris du poids! Ou alors c'est parce que Lila l'a beaucoup trop maigri. Je ne sais pas. Et bon app, Marie. Il ouais, faudrait que je fasse son petit portrait. La petite Lilate. Oh, la grosse dégueulasse. Tu parles... Mais parle à ta belle-sœur. Oh, comment elle bouffe. Quelle grosse dégueu. Bon, vous me saoulez, là. Vous asseoir, vous relevez, vous asseoir, vous relevez. Truc, c'est que j'aimerais vraiment qu'on avance au niveau compétences, mais... Sont tant qu'elle est triste... On n'essaiera pas de faire de la drague, ça va pas faire bon. Donc on va miser sur les compétences, hein. C'est long. C'est long de monter en compétition. Qu'il est beau ce mec quand même. Bah, et c'est de chez Ina. Voilà, sur sa galerie. Comment il mate. Mais arrête de bouffer! Mais elle a déjà bouffé comme une grosse truie. On dirait moi quand je bouffe des chips et du fromage. Ça fait 10 fois d'affilée que ma Sims veut sécher l'école. Est-ce que c'est un bug ou ça vous arrive aussi? Non, moi, ils veulent toujours aller à l'école. Ils sont studieux. Non, on leur donne les 10, je suis au taquet, du coup, pour pas les envoyer à l'école. Mais je pense que je vais ajouter de temps en temps un petit jour férié pour, comme ça, au moins... Ça, c'est autorisé, hein, c'est juste que je le fais pas. Mon titi,
C'est supra long, hein, le bien-être. Hein. Je sais pas si je vais continuer. Hein. Qu'est-ce qui pourrait être rapide? Faire des... Arrête de te plaindre. Tu vas faire à manger. Tiens, l'autre... Je bouffe mes chips. Tu vas faire à bouffer. Allez, fish and chips. C'est bon ça, les fish and chips. Ce d'IKEA, je l'aime beaucoup, moi. Ouais. Oh, comment elle mange. Mais regardez ça. Non, la vente, ça vaut plus du tout, hein. Merci pour votre don de bonnet. Permettra à quelqu'un d'avoir la tête bien au chaud. Wesh, bah ouais, c'est fait exprès. Alors, tu vas manger, tu vas te distraire aussi peut-être. Mais arrête. Putain, mais elle arrête pas de bouffer, tu m'étonnes. Elle a pris des céréales, elle les a pas finies. Non mais c'est pas possible. Qui c'est qui tape? Oh bah c'est l'autre sœur maintenant. Oh, c'est pas possible, histoire. Troisième bol, la boue, c'est la vie. Ouais, non, je suis d'accord, mais quand même, même Prune, elle est plus mince que... Mais qu'est-ce qu'elle est moche, hein, quand même. Oh, putain. Ce profil, c'est pas possible. C'est pas possible, ça, hein. Et l'autre, il est parti dormir. Mais la blague. Attends. Tu vas faire un peu de charisme avec tes sœurs. Non, non, dors pas. Malheureux. Malheureux. Tu vas regarder la chaîne actuelle aussi. Oh, ce look prune dégueulasse. Oh, elle est toute sale. Mais mange. Oh putain, hey, j'en peux plus de ces Sims. Ils savent pas faire deux choses en même temps. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi? Contribution tricotable à l'amélioration de la société. Tricoter pour une bonne cause est très gratifiant. Vous pensez peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais donner des tricots peut avoir un impact important sur le bonheur d'un inconnu. Oh, chouquette. T'es une petite chouquette. On va complimenter. On va travailler un petit peu les compétences, là. Tu vas complimenter aussi, là. Nib, ok, c'est bien, tu t'embrouilles avec ta sœur, tout va bien. Oh. C'est le bordel, salut Anaïs, comment tu vas? Salut Justine, comment tu vas? Ouais, les gloutonnes, la vendeur. Vu qu'on savait qu'elle n'était pas notre héritière. Enfin non, parce qu'on n'a même pas été, on n'a pas assisté à son anniversaire. Parce que quand elle est devenue jeune adulte, on était chez Lila dans son appart. Donc en fait, elle a grandi toute seule dans son coin et elle est devenue gloutonne. Arrête-toi. Viens jeter, viens faire le ménage. Tu vas t'entraîner au combat avec... Ah, allez, avec Prune. Ça lui fera les pieds. Mais arrête de bouffer! Mais c'est un gouffre, cette fille! J'en peux plus! Regarde, Prune, elle est prête à en découdre avec la machine, là. Mais regardez-moi ça! Mais lavande, ça craint, hein, cocotte. Pendant qu'elle, elle met 10 ans à bouffer sa pauvre assiette. Quelle grosse dégueulasse. On t'invitera plus, hein. Ah, oh, ça braille dans le couloir, comme c'est étonnant. Bah, disons que je ne sais pas son trait, mais vu comment elle mange, ça peut être que ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Salut Popo, comment tu vas? Bah écoute, ça va beaucoup mieux au hein, niveau chaleur, hein, par rapport à ces derniers jours. Non, franchement. Mais tu dois t'entraîner avec. Attendez. Mais il l'a fait avec elle. J'ai pas compris. Pas commencé. Ah si, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Oh.
Regardez. Écoutez, je ne sais pas. Là, je suis paumette. Mais non, va pas dormir sur ton nouveau lit tout flambant neuf. Viens, va te prendre un petit bain de mousse, là, ça te fera du bien. Après, t'iras pisser. Ou tu peux pisser dans ton bain, ce serait bien. Je propose de changer son nom, l'avant, dans l'avant-ventre. J'avoue! 31 au bureau, bah j'ai commencé le live à 29, il fait 30. Parce que comme j'ai fermé dans le salon, puis la chaleur du PC, tout ça, ça monte un petit peu. Ouais, Popo, t'as acheté quoi comme rafraîchisseur? Parce que moi, honnêtement, là, bon, cette année, on va me dire, ouais, c'est trop tard, sauf que je trouve que ça reste un investissement. Un investissement, je vais y arriver. Et que même tu l'achètes après, avant, on s'en fout. De toute façon, tu l'auras. Mais je pense que je vais m'en acheter un aussi parce que c'est insupportable. C'est clairement insupportable, mais j'ai d'autres projets avant d'acheter ça. Nous ici, ça craque du feu de Dieu, c'est génial. Ah, j'adore ces Dragon Enjoy. Elle va chez Lila pour vider son frigo, t'as vu? Ah, ça y est, elle est devenue joueuse. Il va discuter avec Prunette. Et elle continue de bouffer, hein! Non, mais c'est une blague! Mais lavande, ça va pas du tout! T'as un problème psy, on dirait moi, quoi! Elle a une compulsion alimentaire, là! Elle arrête pas de bouffer! Mon rafraîchisseur d'air, pièce 70. Ah ouais, c'est pas cher! C'est un investissement, j'ai eu l'occasion sur Facebook, c'est la première fois que j'utilise, on verra ça. Mais c'est quoi? C'est de la marque? C'est quoi le tien, Nani? Hier, j'étais chez mon oncle, il en a un, le bonheur quand tu... Mais c'est ça. C'est pour ça, je pense que d'ici l'été prochain, j'en aurai acheté un. Un ventilateur, c'est bien. D'ailleurs, il est il est branché depuis plusieurs jours sans discontinuer. Hein, ça, je vous... Voilà. Mais à un moment donné, quand ça brasse que de l'air chaud, c'est difficile. Et je pense vraiment que je vais acheter un truc. Vas-y, pas partager un secret. Eh, hey, tu sais quoi? Je suis encore amoureux de... ta sœur. Je suis encore amoureux de ta sœur. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Ah, oh, super. Bon, dans ce cas-là, tu sais, il faut que vous achetiez une fusée et que vous vous envoyez en l'air dedans. Hein. C'est pas une marque. Ah ouais, moi aussi, je le mets... Mais lavande. Mais elle a pris au moins 40 kilos, là, en venant. La pauvre biche. Et elle tricote son chiotte. T'en as pas marre de tricoter? Bon, écoutez, je vais la laisser tricoter. Hein. Ça lui avance son truc. Hein. La marque Bliss. J'ai vu qu'il y en avait sur Castorama. Bah, non, je la regarde. Je l'ai pas dans mon foyer. Donc, je peux pas lui faire du sport. Peut-être si elle revient avec la machine, avec Dan, on fera ça. Mais est-ce que ça a marché, ton truc? Mais non, ça marche pas! Bon, il n'aura pas d'autre promotion, hein, il va rester au niveau 4, hein, c'est tant pis. Hein. Bah écoute, Jean-Claude, tu peux aller manger. Il est 4h du mat'! Tu iras dormir. J'avais pas vu l'heure. Bon, c'est bon, Jacqueline. Oh non, t'as dégueulassé le toilette, tu me nettoies ça. Et tu vas dormir. Elle a pas nettoyé. Au moins, elle a un lit. Regardez comme elle est crevée. En même temps, il est 4h du matin. Elle travaille. Elle travaille à 9h. Oh, putain. Écoutez. Oh, mais non, elle peut... Super! C'est férié. Ah, c'est trop bien. Là, elle pourra faire sa grasse mat, là. On va pas l'envoyer au boulot, c'est pas... On s'en fiche. On va essayer de décorer. Alors, on va rester hors ligne. Ouais, il y a un problème avec la galerie. C'est parce que je voulais faire ça. Qui c'est qui est en train de... Ah, c'est lui. On va décorer rapidement pour Noël. Comment te... Décoration. Mais ils font pas d'habitude un truc spécial Noël là? On clique dessus et puis
Ok, je me suis fait eu quoi, tout va bien. Dans la décoration. Zut hein! Taper hiver, ça ira plus vite. Mais ce que je voulais. Putain, et ça me casse les pieds. Bon, on va pas beaucoup décorer, moi je vous le dis, hein. Je veux valider. Voilà. D'habitude, quand on fait ça, ils te proposent tout de suite la catégorie là. Pourquoi ils me proposent pas la catégorie? Casser pieds, non? Qu'est-ce que je m'en fiche? Mais ça, c'est de la déco. C'est pas les plantes que je veux, moi. Voilà, c'est ça. Voilà, on va faire ça. Alors, vous avez du mauve. Restez dans l'ambiance. Hein. Allez, on va mettre ça. On va mettre ça là, voilà. Une décoration. Une autre là. Ah non, il y a déjà un truc. Une autre là, on s'en fout. Hop. Ils sont contents comme ça, ils vont faire... Ouais, c'est Noël, ouais, trop bien! Il n'y a pas les sapins. Ben, crotte de pique, hein. C'est tout ce que je dirais, moi. Sapin. Sapin. C'est un sapin, c'est pas Noël s'il n'y a pas de sapin. Bon, il n'y a jamais les couleurs qu'on veut. Hein. Oh, si! Alors. On va bouger ça. On va mettre le sapin là. On va mettre ça là. Je sais pas si elle aura de la place. On va mettre son tapis là. Et ça, on va le mettre... Ouais, ici. Dans la cuisine. Allez. Voilà, c'est décoré pour Noël. Ça, c'est un sapin tout fait. Qu'est-ce que... J'ai oublié que j'étais en... Elle m'a fait peur. Bah écoute, ouais, mange si tu veux. Des biscuits au fromage, ça va sentir bon de la bouche dès le matin. Tu peux te confier à lui? Rire en faisant, oh, Lila est trop triste. On ferait un cadeau de Noël. Demander conseil. Va lui parler à ton... futur ex-mari. Oh, les abdos. C'est quand il y a un notif téléphone que ça s'affiche, il me semble. Bon, après... Bah voilà, il te fait marrer. Ah bah ça y est, elle est de bonne humeur, hein, j'avais pas vu. Vas-y, chante une chanson du jour férié. Je vais... Tu vas complimenter sa tenue. Évidemment, parce qu'il est juste en pantalon, donc forcément c'est plus intéressant. Tout ce que je peux en fait faire à augmenter un petit peu ses compétences, hein. J'en profite. Hein. Ah putain. J'avoue. C'est pas chez moi qu'il y avait là. Tu as été trop rapide. Ah, tant pis. J'avais pas fait attention. Oui, ça l'a diverti, oui. Donner des astuces de réparation. Critiquer les techniques de crac-crac. Non, ça, tu l'as déjà fait. C'est ce qui équivaut au divorce. Mais... Tu vas chanter. Ah, il neige dehors! Il neige à Evergreen. Qu'est-ce que tu vas lui faire à... Tu vas lui refaire un petit oh-oh-oh. Tu vas lui complémenter sa tenue parce qu'elle est tellement sexy dans sa petite nuisette que tu vois bien pile ce qui se passe entre les jambes, c'est-à-dire rien. Bah oui, sapin violet, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, il n'y aura pas de sapin violet. Mais si. C'est le moment d'attaquer. Bah, ils sont encore pas mal dans le rouge, hein, donc il faut travailler ça. Ah, ça va, elle est re de bonne humeur, donc... Tu vas un petit peu la draguer.
Tant qu'elle est bien, tu peux un petit peu la draguer. Et complimenter l'apparence. Et dire que, ah, oh, qu'est-ce que t'es belle quand tu souris. Ou quand tu ris. Et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Ah, et j'ai le vinyle, hein. Je l'ai écouté. Ça marche. Technique de drague. Sans lui, tes meilleures disquettes. Oh là là, ils sont tous les deux enjôleurs! Oh, c'est suggestif. Vous croyez que... On est, je suis censée bosser sur tes compétences, hein, cocotte, mais séduire. Oh, vas-y. Ils sont encore dans le rouge, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va épicer ce con. J'étais en pleine technique là pour que ça drague et lui va pisser. T'as fini de manger tes chips là? Oh, ça me donne faim. Caliente, c'est chaud. Ouais, ça. Elle a oublié son daron, t'as vu? Elle, Adonis, c'est comme s'il avait jamais existé. Attendez. Oh, pardon, il y a un plafond. J'espère juste qu'elle va l'accepter, sa petite rose là. Qui dit rose dit hein. Obéfina. Et là le drame. Non, pas encore. Pas encore, regardez ça. Échange amoureux. Oh po 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 po. Oh là, c'est rapprochement physique. Depuis qu'ils se sont disputés, tout ça, ils ne se sont pas touchés. Oi, elle fait la danse du pingouin en rut. J'ai reconnu. Oh! Je me suis trompée de touche. Oh là là, on est un poil de cul là, un poil de cul d'emballé, embrassé. Non, comme ça, direct. Alors, il va se prendre un râteau, c'est pas possible. Ça y est! Ils sont rabibochés! Ça y est! Bah, ça y est, je m'embrouille avec mes trucs, moi. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Là, le roulage de pelle, c'est pour Noël. Hein, c'était le cadal de Noël. Oh là 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 là. Tu vas lui offrir un cadeau. Bah, t'as rien à lui offrir d'intéressant, mec. Attends, on va acheter un truc sur l'ordinateur. Hey, faut que ce soit quelque chose de joli. Paramètres de sécurité. Débloqué. Ah oui. Bah oui, parce que j'avais mis que Lila. Effectivement. Tout le monde sauf le foyer. Donc, on va commander quelque chose quand même. On va commander des cadeaux. Qu'est-ce qu'on va lui acheter? Ah, peut-être un livre pour... Journal intime. Le trône de pleurs. Non. Un livre pour... non, il n'y a pas. Pour la compétence? C'est nul vos trucs là. Un petit sextoy, il n'y a pas? Un petit lama, c'est violet, non? C'est nul! Une marguerite. Un médicament. Une pomme de terre. Oh, une rose, allez. Une vraie rose. Une vraie rose. Parce qu'elle le mérite. Oh là 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 là. Oh, ça se roule des gros palots dégueux là. J'ai vu de la bave jusque par terre. Bon, ça y est, hein. Vous êtes de nouveau ensemble. Sinon, t'es toujours célib ou pas? Oh,
Voilà, ça, moi ça m'est fait éternuer tout ça. Ils peuvent plus se remettre en couple. Oh là 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 là. Il est célibataire. Bah oui, il a faim. Bon bah vous allez pas niquer tout de suite, hein. Tu vas et nettoyer et prendre. Voilà. Ce sera bien. Ah, on peut l'allumer quand même. Ah, non, c'est. D'accord, c'est juste ça. Ok. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ils sont de nouveau ensemble. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut Nadine. Salut Lou, comment tu vas? Pas de soucis. C'est bon, Dan a reconquis le cœur de Lila. Ouh, Lila a reconquis le cœur de Danou. Des coups sur mon plafond, mais ça faisait longtemps, ça aussi. Après les hurlements, les poussières et l'eau depuis la fenêtre, c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait un petit peu de tapage dans mon plafond, parce que faut bien me faire chier à un moment donné, et d'une certaine manière, là, les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire te faire faire? On va te faire faire de la peinture. Une toile enjôleuse. Dan, après tu feras la vaisselle. Tu seras gentil. Bon, ben voilà. Hein, il va falloir juste les refiancer et les remettre au... Les remarier. Puis après, on fera les bébés. La gênée orange. Mais j'aimerais avancer vraiment sur ces compètes, quoi. Bien sûr, compétence, hein, pas compétition. La peinture, ça peut aller vite. Hein. Projet de tricot terminé. Mais où ça? Elle, quand est-ce qu'elle a tricoté? Vas-y, tu vas le mettre sur Plopsy. Si on peut gagner de la thune. On vend rien, nous, sur Plopsy. Hein. Personne veut nos tricots. Hein. Voilà, gagner 392. Non, prune, on s'en fout. On va aller faire... je vais faire par tout, chaque jour une compétition. Compétence. Ça y est, je me commence à me tromper, moi. Ça va bien, Nadine? Je réussis 30 minutes. Ouais, pas de soucis. Parce que là, elle a qu'un seul. D'habitude, quand je fais de la peinture vraiment pour gagner en compétences ou pour les sous chez les Sims, je mets plein de chevalets à la suite. Mais tu reprends ta toile, wesh! Mais elle m'énerve, elle va encore tricoter, je vous jure. Tu la vends. Le truc, c'est que là, on en a qu'un. Tu vas faire de la pop art à 50, vas-y. Ça va plus vite et puis tu peux les vendre rapidement. Qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête avec la voisine, je m'en doutais. Non, cri des mots interdits, c'est parce que je voulais faire. Tu vas aller courir. Tu reviendras, tu prendras ta douche. Bon, il a quand même fait des cris des mots interdits. C'est pas grave. Merci, mademoiselle Julia. Bonsoir à toi, comment tu vas? Salut, Carrelage, comment ça va? Ah, la belle, ce soir, c'est Lila. Ce soir, c'est Lila qui est belle. Hop, tu me vends ça. Tu me fais une impressionniste à 75. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Je t'attends qu'on atteint le niveau 8. Mais oh! Mais elle est obsédée avec son tricot, hein. Mais elle va me commencer combien de projets, là? Ça va pas bien, hein. Ah, le tricot, ce sera niveau 10 qu'on l'aura, parce que c'est pas possible. Copain. Alors, il s'est passé quoi? Ah bah, tant pis, t'as tout raté. J'ai à tout à l'heure, bonne chance. Merci beaucoup, Lou. À bientôt. Bah, ça va, Julia, ça va. C'est passé plein de choses. Salut, Natou, comment ça va? Ah, c'est bon. Je le surveille, lui, parce que... Arrête de danser et de vouloir tricoter, toi. Fais tes toiles. Allez, on est presque au niveau 7. Faut vraiment que je sois au taquet avec elle, parce que sinon elle va se mettre à tricoter dès qu'elle a fini, elle enclenche le tricot. Sauf que va falloir qu'on les finisse tous, ces projets, vu qu'elle en a 40. Ils se sont péco. Ah bah, fallait être là. Je vais me faire une toile enjôleuse encore. Péco. Ils sont péco. Non mais Chantal, tu sais pas lire. Qu'elle est bête. Ouais, ça y est, on les a... Putain, mais c'est pas vrai! Mais elle s'arrête vraiment n'importe quand. Oh! Oh bah j'avais pas vu qu'il y avait maman qui était là. Et il y a le Père Noël qui est là aussi.
Bonjour Philippe Morin, Père Noël de son état, j'avais pas vu qu'elle était là. Putain, mais arrête! J'en peux plus. Et refatigué. New York for night? Yeah. Oh, but do Brig. Net the yuck of chibs. Chibs to the yicks? Do Brig. Hey, dans 10 ans, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Oui, nécessite une mise à jour cruciale dans 2 heures. Merci, Origine. Raconter une histoire délicieuse. Et tu vas pas embrasser les mains du Père Noël, non, je pense pas. Tu vas demander un cadal. Toi, arrête avec la voisine. Oh, mon Dieu. Tu vas faire une présentation amusante avec le Père Nono. Les nichons qui tombent de nuages, c'est quelque chose, hein, quand même. Première fois qu'une streameuse me répond. Ah bon? Bah écoute, moi j'essaie de voir et de répondre à tout le monde. Putain! C'est quoi cette taille de cul? Attendez, il était comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as bouffé, mec? Oh la vache! Hop, la prunette! Tout le monde s'est donné rendez-vous. Je demande un cadeau. Ivedeiso! Arrête de merder le Père Noël là! Oh, j'en ai marre. Toi, je t'ai demandé de demander un cadeau déjà. Choqué, oulala. Ah bon? Mais non, t'inquiète. Faire nono Mexique, mais c'est ça. Ah lui, c'est même méga cul, hein. Je sais pas, là, on est arrivé sur quelque chose. Hein. Merci beaucoup, Natou, pour ton follow. Bienvenue à toi, du coup. Qu'est-ce que t'as reçu? 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 Une vie au microscope. Waouh. On va demander un cadeau. Complimenter la tenue. Et toi, tu vas continuer ta toile, là. Arrête de faire ta wesh. Allez, vas-y. Va travailler un peu. Oh, la vache. C'est quoi, ce bruit? Non, il y a des cafards! Oh, non. Essayer de faire partir les cafards. Ah, bah oui. On va essayer de faire partir les cafards, oui, quand même. C'est quoi, ces appartements de merde, là, qu'on a... On mousse tous, c'est ça, Charlie répond à tout le monde. J'essaye. Des fois, je vois pas certains messages, mais j'essaye. Les Père Nono, Maxi cul, le retour des cafards, mais c'est ça. Regardez ce cul, c'est incroyable. J'ai rarement vu une grosse crotte d'animal. Oh, Dan, il a pas eu de chance, hein. Il a reçu une grosse crotte, cadeau. C'est lui le fautif, hein. C'est à cause de lui qu'il y a eu le divorce. C'est pour ça. Oh là 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 là. Non. Tu iras vider la poubelle aussi, hein, du coup. Mince, pardon. Dan, il n'a pas été sage. Ah bah non, bah la preuve. La preuve, c'était lui qui est le fautif dans le mariage, tu vois. Il était vilain, Dan. Hein. Sache que Charlie nous mousse très souvent, c'est ça. Je vous fais tous mousser. Du moins, dans mes capacités. Tu finis ta toile, s'il te plaît? Allez, on arrive au niveau 7. J'ai envie d'avancer. Niveau 3 de charisme, je m'en fous. Moi, je veux niveau 7 pour elle. Arrête de te plaindre! Allez, t'es pas loin, là! Je t'en prie. Parce qu'après, dès qu'on va faire des gosses, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu penses à qui? À ta grand-mère. À Nathalie. On aurait tendance à l'oublier, Nathalie. Alléluia, elle a fini. Elle est fatiguée, elle a faim. Tu vas manger. Bon, et on n'a pas fait de plat spécial ce soir, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Tyrion? J'ai l'impression qu'il fait le gogol dans la chambre. Arrête avec la voisine, regarde, il y a la belle crotte qu'il a reçue. Un simflouze, allez. Ça fait plaisir.
Tu vas chanter une chanson du jour férié et tu vas... Non, tu n'es pas attiré par la mère de ta copine? Ce serait bizarre quand même d'en arriver là. Je dis ça. Putain, y a encore les cafards. Quelle horreur. Salut Béatrice, comment ça va? Toujours ça va. Ah ouais, mais j'ai l'impression que c'est long en fait. Je mange pâtes et œufs au plat. Eh ben c'est très bien. Ça manque un peu de légumes, cela dit, mais... Tu viens de le récupérer, fais pas le con, Danny. Je sais ça. De le récupérer? Bon allez, viens... Ah mince, c'est cassé! Tiens, tu vas essuyer. Elle ira réparer Lila. Attends, on a encore des cafards. M'attira à faire partir les cafards. Toi, tu vas faire un bon dodo, ma cocotte. Est-ce que vous pouvez faire crac-crac? Non. Comment ça, vous pouvez pas faire crac-crac? Après ce que vous avez fait, vous pouvez pas faire crac-crac. Bon, tu manges! C'est moi ou c'est hyper long là pour faire certains trucs? C'est incroyable. Mais là, elle a un nouveau lit, elle en profite pas beaucoup. Bah, t'inquiète. Allez, t'as fini de manger là. Allez, va réparer la douche. On va le nettoyer aussi. Mais répare! Mais c'est quoi? Mais elle me fait péter un câble. À chaque fois, elle fait pas ce que je lui demande. Pas jusqu'au bout. Elle dort pas jusqu'au bout. Elle peint pas jusqu'au bout. Elle mange pas jusqu'au bout. Elle répare pas jusqu'au bout. Grumblefleu. Non, c'est bon, elle a réparé. Tu continues de nettoyer. Tu peux nettoyer. Il est où, Odin? Arrête avec la voisine! Ah non, si, il a été voir la voisine. Oh, ça suffit. Tu viens, tu fais le ménage aussi, toi. Allez, tout le monde met la main à la pâte, là. Réussite est terminée. Tu peux la complimenter. Est-ce que vous pouvez faire des crac-crac? Parce que bizarrement, ils peuvent pas. Elle va tomber dans les pommes. Il est 2 h du mat. Bon, bah voilà. Ok, j'ai compris. Va dormir. C'est bon. Et puis j'ai. Toi, tu vas bouffer. Ouais, vas-y, tu vas taper dans le gâteau, si tu veux. Voilà le gâteau! Sortez les couteaux! Père Nono et ses parents sont qui ménagent, mais je sais pas qui. D'accord, je sais pas. Vous devez donner 3 traits de caractère Sims à l'élément du feu, vous donnez lesquels? Oui, c'est une question sérieuse. Sang chaud? Déjà. Tu fais mon titi? Qu'est-ce que t'as fait des bêtises? Salut Oscar, comment ça va? J'ai mis sur d'elle sans choix, j'hésitais entre perfectionniste et ambitieuse. Bah non, le feu c'est sauvage, tu vois. Sur d'elle? Moi ouais, je sais pas. Après c'est toi qui vois. Oui, parce qu'un feu c'est actif, c'est sûr. Ah là là! On n'a pas beaucoup avancé, hein. Et puis encore les cafards. Oh. On peut pas appeler quelqu'un? C'est la première premier épisode de Game of Thrones ce soir. Travail. Mais personne veut acheter nos trucs sur Plopsy, mais on n'a pas de chance. Attends. Toi, tu. Ouais, bon bah tu vas aller bosser. Ouais, vas-y. T'as dormi? Non. Bah tu retournes au lit. Allez hop. Pourquoi ça me fait ça à chaque fois? Un challenge US? Ah. D'accord. Je trouve que le jeu des Sims est un peu
de côté alors qu'il est sur. Bah non, pas du tout. Nous, on est. Tous ceux que tu vois là dans le chat, ils jouent aux Sims ou ils aiment le jeu, tu vois. Donc nous, on est à fond là-dessus. Hein. C'est peut-être le jeu principal pour nous. Très connoté fille. Ah oui, ouais. Mais c'est pas possible, ça la repose pas. Pourquoi il y a une musique? Oh bah tant pis, il n'y a pas d'électricité. Va bosser. Tant pis. Mais quel bordel, hein. Voilà, puis comme ça on va pouvoir voir. Délai imminent. Il a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-elle faire? Se clasher dans le placard ou demander de l'aide? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les traits de caractère. Sur console, bon courage. Bah, j'ai jamais eu de console de ma vie, donc je sais pas, mais je me dis que ça doit pas être évident à jouer sur console. Et pour l'air, Peter. Je rigole. Une fois, je jouais dans le train et un type à côté m'a dit que je jouais à un jeu pour maman. What? N'importe quoi. Alors, à l'aide, placard, d'accord. les Sims, c'est la vie, ma fille est sur le. Ouais, je l'ai vu, Nani. Délai. Délai? Y a pas de délai. Placard, de l'aide. De l'aide, de l'aide. Placard. Ouais. Attends, je suis obligée de compter avec vos conneries. Alors, de l'aide. Placard. De l'aide, de l'aide. Placard, placard. Non, mais alors, pas à peine de le dire plusieurs fois, hein, parce que du coup, moi, ça me. Bon bah c'est Ed qui gagne, je suis désolée. Hop. C'est mieux parce que c'est un gain de performance moyen. Tiens, tu as travaillé dur. Quoi? Se sent pris au piège. Lui, il a ramené des sous. Bah tu vas y courir. Direct. Voilà. T'as besoin d'aller courir. Je le sens. Je le sens dans ton corps que tu as besoin. Et l'autre là, qu'est-ce qu'elle a? Une cible réticente à s'engager a du mal à garder longtemps le même emploi. Parce que je sais plus combien de temps on le garde. Est-ce qu'on a vraiment un truc à. Alors attendez, je vais retourner voir les règles du Notosobéri. Où es-tu? Notosobéri. Les règles du Notosobéri. Ah oui, d'accord. Mais moi, j'ai pas mis la première. J'ai mis la dernière page, évidemment, en favori, parce que je suis un peu bête sur les bords. Prune! Vous travaillez comme médecin une grande partie de votre vie, une fois adulte. Donc oui, donc il faut attendre le fait qu'elle soit adulte. Très bien. Pas de souci. On va faire ça. Bah, détends-toi, hein, cocotte. Niveau 5 de la compétence fitness. GG. G Gérard. Gérard, Gérard. Tu vas te prendre un bain de mousse. Puis. Tu vas manger quelque chose dans le frigo qui ne soit pas avarié. Et donc, le fish and chips qui est tout neuf, il est avarié. Alors que le truc bacon, œuf au plat, lui, il est. On voit tout de suite les plats quand ils sont buggés ou pas, j'ai l'impression. Et maintenant, les blazax. Casse les couilles un peu, Lila. Tu t'as conscience que tu me casses les noix ou comment ça se passe? Allez, viens te regarder là. Y a pas. Bah tu viens faire de la peinture. Y a pas d'électricité, j'ai oublié. Et peinture, c'est pas tricot. Hein? Je préfère te le dire. Allez, on va arriver au niveau 7. Mouais! C'est plus difficile. Ça marche, ça marche. Elle est enthousiasmée. Par cette petite drague. Oh, elle a besoin de se divertir, la cocotte. Moi, j'ai un très bon moyen pour la divertir, mais. Je sais pas si. Ils peuvent plus faire crac-crac. Huh.
Oh la vache, vous êtes des ouf. Baiser suave. Allez, vas-y. Baise-lui suavement. Mais regardez, elle est encore crevée. J'en ai marre, on lui a pris un lit niveau 8, d'énergie 8, ça lui fait pas, ça le repose pas. C'est trop de la merde. Si t'as faim, tu peux lui manger la saucisse, ça ira aussi. Hein. C'est bizarre que le bug des repas, j'ai jamais eu, bah, je sais pas. Il a bientôt fini son repas, non plus, il est peut-être pas bugué, je sais pas. Ils ont besoin de divertissement tous les deux. Non mais viens. Oh oui. Le crac-crac est dispo. Salut Mega Sam, comment tu vas? Merci Anaïs. Les gars, pour l'air, je mets quoi? Froide ou bienveillante? Bah, froide. Est-ce que c'est le vent? Trop fatigant le boulot. Mais non, mais c'est... Je sais pas, elle arrive pas à dormir, quoi. Je ne sais pas si j'en suis une chaîne YouTube ou Twitch, mais j'ai peur qu'on me critique, qu'on me regarde pas. Bah, Natou, c'est... Tout le monde est passé par là. Crac, crac. Aubergine, banane, aubergine, banane, aubergine, banane, aubergine. Banane, attendez. Je l'ai pas bien écrit à chaque fois. Non, ça c'est... Mais punaise! Je sais plus l'écrire. Au secours. Ouh, vache! Quoi? Je prépare ma miniature. Comme ça, ça voudra tout dire. Voilà. Quelle voyeuse. Pff, c'est pour la miniature. Moi, je, excuse-moi de travailler, hein, de penser à mon travail. Je kiffe la voix quand il y a les subs. C'est pas les subs, c'est Chantal qui parle quand c'est les cheers. Ou des beats. Ça dépend. Ah, bah ça va mieux d'un coup, hein. Miniature putaclic. Bah pas du tout. Vous savez pas ce que c'est le putaclic, hein, Marie? Tu sais pas ce que c'est le putaclic, hein, si tu dis ça. Putaclic, ça veut dire que c'est pour attirer les gens sur du contenu qui n'y a pas à l'intérieur de la vidéo. Là, je vais mettre un lit avec des cœurs. Bah, c'est ce qui se passera dans la vidéo. Ça va faire cliquer. Bah, c'est le but. Mais il y a que ceux qui suivent l'histoire qui vont regarder. Ça servira à rien, sinon. Ah, mon coco, tu vas aller... D'accord. Pourquoi? Toujours pas de jus. Ah, ils viennent de coucher ensemble et ils retournent dans son lit tout seul. C'est normal. Il est que 20h, hein. Tu peux me faire une toile, s'il te plaît, encore? Voilà, hein, ils vont faire crac-crac, c'est bon, hein, regardez, c'était bien en plus. Agréable. Oh, l'électricité revient du toit, tu peux te lever du coup. Oh! Eh, va t'entraîner au combat. Elle fait un cochon ange. C'est mignon. Je ne savais pas, je viens de commencer à suivre. Tu mets un titre, une miniature, ça, que qui attire la curiosité. C'est Chancha. Salut Julia, comment ça va? C'est Shine Shang. C'est notre amie Chantal qui est canadienne et qui sait pas lire très bien comme il faut le français, du coup. Pourquoi tu... Voilà, avance un peu, non? Oh là là, ils se sont remis en couple, comme c'est beau quand même. Yes, ça y est, ils peuvent se redemander, petits amis. Des bisous, Mega Sam, à bientôt. Ça va mieux, Julia. C'était pire les derniers jours, mais aujourd'hui, c'est mieux. Et ce sera encore mieux demain. Évidemment. Elle a bientôt fini. Putain, par contre, on est loin des niveaux 8. Je vais jamais y arriver. 1200. Ah ouais, ça te réussit, toi, de faire crac-crac, cocotte? Ah oui, on vend, on vend.
Oh oui, qu'on vend, ma cocotte, on vend. Tu vois, tu vas pisser, tu vas te prendre une petite douche et tu vas au lit. Oh, 1200. Oh là là, on est riche. Ou presque. Oh, la douche, elle est recrade. Possible. Ça l'inspire, c'est ça. Elle est vachement inspirée là. Tu viens de rejoindre la team petit cul. Exactement. Que tu en aies un petit ou un moins petit, c'est pas grave. Dans notre cœur, tu es un petit cul. Ça va les minous? Titi? Dex, il dort du coup. Il dort sur un coussin parce que ces derniers jours, il dormait à même le sol, hein, le pauvre chou. Ça doit pas être agréable. Hein. C'est Dan qui nous tourne à la... Ah, elle se couche à 23h30. Lui, ça monte de 3 et elle de 1. C'est pas logique! Putain, mais y a personne qui veut nous acheter nos trucs sur Plopsy, là. Ça me dégoûte. On va le vendre là. Oh mec, je t'ai mis un tapis, ça y est, tu te réveilles. Mais genre, arrête, hein. N'importe quoi. Et merci Alexandra Tchapa pour ton follow et bienvenue à toi. Je ne suis pas un humain, je suis un alien, je suis une éponge. D'accord, très bien. Pas de soucis. Vous avez le droit. Ça me dérange pas, moi. Vous venez comme vous êtes, c'est comme McDo ici. Sans les burgers et sans les frites. Écoute mec, tu vas faire ça et tu vas me nettoyer la douche. La 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 la. Tu vas me faire le ménage. Faut, parce que tu le vois bien. Donc ta future copine est en train de dormir, mais elle a un lit qui monte de 1 que, au lieu de lui de 3. C'est dégueulasse. Il y a un bug sur les lits, je sais pas. À vous de me dire si vous avez des lits énergie 8 qui montent aussi lentement. C'est pas logique. Tu vas aller au travail. Elle a plus les cafards d'ailleurs. On n'a plus les cafards, c'est une bonne nouvelle. Et tu iras prendre une douche tonifiante avant d'aller bosser. Merci, en fait, je passe sur les lives et je follow quasi tout le monde pour donner un soutien. Oh, c'est gentil! C'est gentil, mais bon, après, tu peux repasser, hein, pas de soucis, mais c'est gentil. Par contre, tu dois t'être noyé sous les notifs. Hein. Il n'y a aucune streameuse que je suis assidûment, j'avoue, à part toi, séquence émotion. Oh, tu es trop mignonne, Justine, c'est adorable. J'ai envie d'un McDo maintenant. Bah écoute, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Ne hein. Parle pas de McDo. Eh ben si, McDo, McDo, McDo. J'avoue, je suis pas très attirée par McDo. Ah, arrête avec la voisine. Je t'ai demandé d'aller prendre une douche tonifiante. Et il a pas mangé! Mais il se fout de ma gueule. Non, là, franchement, les Sims, j'en ai marre. Hein. C'est sympa 5 minutes. C'est rigolo 2 secondes. Là, il n'y en a pas un qui fait ce que je lui demande. Et elle a toujours pas fini de dormir. Vas-y, va bouffer. Bah, il est parti au boulot sans manger, hein, tant pis. Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que t'as de plainte, toi? T'es chiante. C'est vrai qu'elle est chiante, non? Un bon Big Mac. Oui, pourquoi pas? Oui, la période du... Ouais, qu'on peut... On peut... Elle travaille. Tu me casses les noix avec ta chaise à bascule, je te le dis. Hein. T'as envie de tricoter? Reprendre un projet. Mais regardez tout ce qu'il y a! C'est tout ce qu'elle a commencé sans mon accord. Hein. Tu vas reprendre ça. Ah! Vas-y, va tricoter là, c'est ton kiff. Tu kiffes le tricot.
Hein? C'est pas ça que je voulais faire. Niveau 5. Salut Alexandre! Mon dernier McDo date d'avant le confinement. Je sais plus. J'ai mangé Burger King après, par contre. J'ai même pas fait de commande. Merci Anaïs, c'est gentil. C'est mieux de chez moi, j'ai un McDo, Burger King, KFC. Bah moi j'ai un McDo seulement. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Je vais pas me plaindre. Même si je préfère Burger King, c'est sûr. Ou Five Guys. Ah par contre, un petit Five Guys. Je serais pas contre. Moi, il date de 3 ans et demi. Ah ouais! Ah ouais, quand même. Non, mais après, moi, je me fais. La plupart du temps, je me fais livrer. Vous êtes au courant vous-même, hein. Vous savez que je me fais livrer. Et ça fait longtemps que je n'ai pas commandé, hein, sur Allo Resto et tout. Alors, aider un collègue. L'un des collègues de Lila a besoin d'aide pour une tâche. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle apporte son aide ou elle mobilise toute l'équipe? Ça te manque pas? Non, mais c'est bien. Mon dernier McDo date d'il y a 3 heures. Entre 3 heures et 3 ans et demi, il y a une petite différence, quoi. J'ai du pâte bolognaise. Ah, ça c'est bon, ça, Natou. Miam. Moi, j'ai jamais mangé McDo. Ah ouais? Mobiliser. Aide, aide, mobiliser. Toute l'équipe, mobiliser toute l'équipe. Nous sommes à 4 contre 2. J'ai mangé une salade de tomates avec du poulet. Bon, c'est pas mal ça. Aide, 3, 4. Oh la vache. Je suis à 4 contre 4. Allez-y. Ne vous répétez pas, hein, si vous l'avez déjà dit, pas la peine de remettre. Hein. Alors, je sais plus qui. Ouais, donc, aide, on va dire 5 pour 4. 5 et 5. Vous m'aidez vachement, les enfants, c'est bien. Allez, on est sur mobiliser toute l'équipe. Putain, mais non, ça. Eh ben non, ça, dès que j'en vois un, y en a un autre qui dit le contraire. 6-6, mobiliser, 7-6. Pour une fois que vous êtes beaucoup à répondre, on va dire. Allez, on mobilise. C'est parti. C'est Alex qui a eu le mot de la fin. Et c'est un gain. Petit gain de performance, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, elle va se détendre là, elle commence à casser les burnesses un peu, hein. Tu grandis quand? Tu vieillis quand plutôt? Je ne sais plus. Dans 4 jours, on change de carrière en plus de ça. Est-ce qu'on enclenche une grossesse pour cette fin d'épisode ou... On les fait se marier avant. Et dans ce cas-là, si on les fait se marier avant, ce sera pour la semaine prochaine. J'essaierai de reconcocter un petit mariage aux petits oignons. Pour qu'il soit tout beau, qu'elle, elle ait une autre robe. Et je pense que je vais les remarier avant. Ouais, le mariage avant, hein, on fait ça dans les règles de l'art. Hein. Oui, bien sûr, Anaïs, on voit tes messages. Grossesse, grossesse, grossesse. Five Guys, c'est américain. Et c'est. Tu peux manger des burgers. En fait, tu demandes qu'à. Tu mets ton burger ce que tu veux dedans. Mais vraiment, genre. T'as le steak. Bah, tu veux. Si tu veux de la salade, bah, tu le demandes. Sinon, t'en veux pas. Machin. Tu peux choisir la cuisson, je crois aussi, du steak. Tu peux prendre des frites en plus ou pas. Et la boisson, c'est un énorme cup. Tu prends la boisson que tu veux. T'as une machine avec 10 000 trucs. T'as aussi des hot dogs. Mais par contre, ça coûte un bras. En France, c'est un petit peu cher. Et surtout qu'ils ont nous ont un peu arnaqué. Donc, moi, ils m'avaient arnaqué. Mais bon. Mais là, Jean-Pierre, viens. Viens regarder la télé, du coup. Va te détendre. C'est vrai qu'elle est mignonne, cette petite, ce petit appartement tout violet. J'en ai marre qu'ils aillent sur cette truc alors que c'est pas là-dessus qu'il faut s'asseoir pour regarder la télé. Au pire, faut que je la tourne. Vas-y, sors sur internet si tu veux. Je m'en fiche que tu aies des bonnes performances au travail.
ici qui est anti-2010. Pourquoi on se rentait 2010? Bébé de la réconciliation. Salut Fanny! Oui, on va dire ça, oui. Bah, de toute façon, on est un peu obligé, sinon on est... Arrête avec cette voisine, bordel! Faire le deuil, c'est bon? Non, mais j'ai pas envie qu'il soit triste ou quoi, donc il va pas y aller. Tu vas venir t'entraîner au combat. Festival des épices, elle est rentrée! Ah, il faut une poubelle! Genre, ça, c'est quoi? Oh putain, on a encore des cafards. Viens faire partir les cafards. Faire partir les cafards, pardon. Ensuite, tu vas me faire à manger. Des pasta primavera. Allez. On peut la vendre dans... Ouais, je sais pas si je peux la prendre dans l'inventaire. Non, c'est bon, prune. Bah, en fait, je suis obligée de les faire descendre et tout. Je sais pas si ça a marché. On verra. Oh, mais les appartements de merde, quoi. Sinon, ça va bien entre eux, hein. Ah, ce bruit avec les cafards, c'est dégueulasse. Parce que sur TikTok, il y a des anti-2010. Mais déjà, TikTok, c'est nul. Alors, forcément. Parce que 2009 et 2011, ça passe, mais pas 2010. Parce que casse-couille. Voilà, cuisine. Ah merde, c'est pas la cuisine gastronomique que je voulais te faire faire, c'est la cuisine normale. Oh. Mais comment je peux savoir, moi, que c'est de la cuisine gastronomique et pas écrit? Casse-couille, je vous jure, ce jeu. Eh bien, petite dragon, Lilera, en même temps, je vais en Belgique, j'ai ma dose. Ah, les frites, elles sont bonnes. Leur milkshake. Ah ouais, les milkshakes de Five Guys. Hop, 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 hop. Papa, 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 j'avoue. C'est super bon. Oh, et tu... Non, bah, tu vas être calmé. Viens, douche. Tu vas te prendre une douche froide, là. Oh, putain, qui c'est qui a cassé les toilettes? Oh, tu viendras réparer. Hop, on va mettre ça au frigal. Bon, les enfants, je vais vous remettre, vous caser ensemble pour de bon. Toi, tu vas acheter. De toute façon, le plus dur a été fait. Maintenant, il faut juste voilà, se faire une petite réconciliation. Voilà quoi. C'est quand tu cliques sur le frigo que tu peux savoir. Ah ouais, moi j'ai cliqué sur la gazinière. Ah ouais, d'accord. Je cliquerai sur le frigo maintenant. Oh là là, les Blazax. Tu saoules un peu Lila aussi, merde. Arrête avec la... Oh. Oh, je vous jure. Mais arrêtez de vous plaindre là, ils sont tout en train... Oh. Ils sont chiants ces Sims. Moi, Team Nord, wesh, 5-9, RPZ. Vas-y, mets la journée. Complimente. Tu peux faire quoi? Discuter d'énigmes logiques. Fitness, parce que pareil, je voudrais lui faire faire du fitness. Il y a tellement de choses à faire dans cette... génération que je ne m'en sors pas. Putain, et ça m'a tout enlevé. Je sens que c'est bien qu'on arrive à la fin de la partie d'aujourd'hui parce que je commence à en avoir marre. Ils commencent à me sortir par les yeux tous comme ils sont là. Et elle est refatiguée, mais putain. J'ai aucune compétence à 8 encore. Zéro. Elle est crevée. J'en ai marre de ce jeu.
Il va lui rouler une pelle là. Oh là là, oh là là, il y a trop d'action, c'est vrai là, mon dieu. Trop de choses à faire. On lui fait quasiment plus cuire dans du blanc d'œuf actuel. Oh là là, je sais pas de quoi vous parlez là. Le centre est très oublié. Ouais, bah j'avoue. Oh, le bisbouze! Le bisbouze! On l'a vu que vous avez fait bisous, bisous, la la la! Vous êtes amoureux! Vous êtes amoureux! Ils sont amoureux! Ils sont amoureux! Tu utilises des mods pour les Sims, tu joues à Fortnite d'autres jeux. Alors je joue à d'autres jeux, mais pas à Fortnite. Non. Et j'utilise le mode, j'utilise certains CC, certains modes, mais pas beaucoup. Celui dont je me coupe le plus, c'est MC Command Center, parce que c'est le meilleur. On parle de frites. Ah, d'accord. Oui, je respire, mais vous avez quand même pas me dire que, hein. Zut, à la fin, quoi, ils me rendent chèvre, moi, ces petits cons, là. Elle peut prendre pose sexy. Elle veut pas à s'engager. Donc c'est à lui de lui proposer d'être sa petite amie. Ah, le sapin blanc et violet, franchement. C'est un sapin qui est déjà tout fait, hein, parce que nous on avait la flemme de le décorer. Oui, elle a dit oui. Ah, ça c'est bien, ça c'est fait. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout doucement, doucement. Doucement, le mariage, doucement. Si, parce que je vais les fiancer, on va les marier à la semaine pro. Tu vas être désirable et puis tu vas la demander en mariage. Allez, non, pas malice. C'est là que mes chats ils vont lever la tête en disant oui, qu'est-ce qu'il y a, maman? Oui, j'ai pris une position bizarre, mais c'est pour mieux. Oh là là, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ça va baiser. Ça va faire des gosses. Ça va se marier. Tu vas faire une toile, ma cocotte? Vous êtes en week-end. Les amoureux. Il lui retourne là. Non, mais c'est bon. Tu vas pouvoir dormir avec ta copine. Ce sera pour le futur bébé qui arrivera ici. Puis si tu veux, tu peux... Allez, tu vas te renseigner sur la vie amoureuse. On va voir ce que le cube a dit. Oui, ouf, elle a dit oui, c'est ça, parce que je suis peur, quoi. Moi, je suis en Crète et samedi, je rentre en France. Donc, coucou de Crète. Ah, t'es en vacances et tu viens t'ennuyer chez moi en stream. Bah, dis donc. C'est gentil. Petite amie, ça passe, mais la demande en mariage, ça se casse compliqué, c'est ça. Dans ce challenge, t'es obligée de mettre les meubles en fonction de la couleur. Non, Justine, mais... Disons que quand c'était Pulco et Bordeaux, le jaune et rouge, c'était un peu vraiment criard, pas joli. Le gris, ça passe, c'est facile, tu vois. Et le prune, c'est un peu le violet, c'est un peu ma couleur préférée. Donc, je suis revenue avec les bases, refaire avec les couleurs. Après, c'est orange. Je suis pas sûre qu'on fasse une maison orange, je vous le dis. Je vous le dis. Il a dit quoi, la boule? Côté amour, votre futur n'est pas brillant brillant. Bah putain, il vient de se fiancer. Vas-y, renseigne-toi sur les lutins. Et sur les mystères scientifiques. Tu rigoles. Elle est crevée. Franchement, là, s'ils vont se coucher en même temps, et ils vont se coucher en même temps, et que lui, il se régénère plus vite qu'elle, en dormant, il y a un bug. Il y a clairement un bug sur ma Sims, quoi. Ah, c'est gentil, Natou. Je me demande si c'est la même bague. Elle a une meuf, elle a une collection. Elle a deux bagues de fiançailles, deux bagues de mariage. Ça en fait quatre sur le même doigt. C'est celui-là, d'ailleurs? Je sais jamais. Je sais pas, je n'ai jamais été fiancée ni mariée. Ça m'arrivera sûrement jamais.
Allez, vent. Et tu vas aller, tu vas tricoter parce que tu vas me casser les pieds. Allez, on va tricoter quoi? Reprendre un projet. Porte-plante, porte-plante, chaussettes, 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 boîte aux lettres. Orange avec housse. Allez, pour la future génération, tu vas le faire. C'est orange la prochaine. Elle va tomber dans les pommes, de toute façon. Allez, on est au niveau quoi? Tricot niveau 5, bientôt 6. Ils sont contents, regarde, ils sont fiancés et tout. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien! C'est un niveau 6! Maintenant, on va pouvoir faire des poufs. Pif, paf, pouf! Comment il est baraque d'Annie? Bah, ouais, c'est l'armée aussi qui fait ça, il fait du sport. Je suis très peu de let's play, j'avoue, donc je suis jamais penchée sur les règles. Ah, bah après, tu peux les regarder. Ici. Voilà. Et hop, un projet de tricot terminé. Bah, tu vas m'en faire un deuxième? Vous voyez, minuit. Ouais, elle va pouvoir dormir. Tu vas... On va le garder. Tu vas tricoter, reprendre un projet. Ça va, on commence à les finir. Allez, porte un truc de plante, là. Prix de vente, pas encore d'offre. Ah, franchement, on vend rien sur Plopsy, c'est trop nul. Tu l'as fini ? Déjà ? Oh, tu vas le mettre en vente sur Plopsy. Hey, elle tricote à vitesse grand V ou quoi ? Reprendre un tricot. Allez, encore un porte-plante. Avec un peu de chance, on va pouvoir le vendre. Vraiment tout peu de chance, hein, parce que c'est un peu la galère. Main gauche, la bague. Ok. Côté cœur. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est pour ça que j'ai fait ça. Après, je me dis, attends, c'est ça ou pas? Mais en vrai, elle tricote trop vite, quoi. Tant mieux. Vas-y, bonnet ours, là. Ah, tu vas me les finir, tes trucs, hein. C'est une blague, elle finit tout en moins de 2. Ouais, tu vas le mettre sur Plopsy aussi. Tant mieux. Regardez, là, on a déjà refait un autre. Il y a des bouts. Tu vas tout mettre en vente sur Plopsy. Et moi, je veux que tu finisses toutes tes conneries que t'as commencé. Allez. Elle va plus vite à tricoter qu'à peindre. Mais c'est ça, c'est, je sais pas. Elle est peut-être full buggée, hein. Par contre, nous, on perd des sous parce qu'on met en ligne avec 10 Simflouz, mais on récupère pas. Hein, parce qu'on vend pas. Donc, prochaine fois, on va vendre directement. Hein. Salut Anaïs, bonne nuit à toi. Oh, yeah. Mais alors qu'on finit un truc, j'en peux plus. C'est mignon. Tu vas le mettre dans ta chambre. Oui, c'est rose, c'est pas violet, c'est pas grave, ça passe. Oh, yeah. Eh, celui-là, on le vend directement. C'est bien, regardez, tout ce qu'elle a commencé, je vais le finir. Oh, les chaussettes, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu vas détricoter le reste. Non, elle va tomber dans les pommes avant. Eh, regardez sa bug. Le lit, lui, il a 3 flèches. C'est Lila qui est buggée. Lila, elle est buggée. Elle, quand elle dort, elle remonte que d'une flèche. C'est trop nul. Il est déjà 22h42. Ah ouais, t'as une heure de plus. Pas de soucis. Mes horaires, bah, d'habitude, c'est 18h30 normalement. Jusqu'à ce que j'ai envie de finir. Voilà. C'est à peu près ça, normalement. Voilà, en 3 secondes, elle aura fini. Après, elle va détricoter. Et puis, au lit. Et c'est là que son truc, il dure 10 ans. Bah ouais, regarde. Ah non, c'est bon.
Les chaussettes, franchement, je manque carl oignon. Donc, on va les mettre dans la garde-robe. Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Vous voulez un bébé quand même? Mais non, mais ils vont se marier. On va pas faire un enfant en dehors du... Dans le péché. Pas comme toutes les autres générations d'avant. Si, ça y est, récupère 3 flèches. Ah, quel bonheur. Allez, j'engage un peu la nuit et je vais enregistrer là. Et moi, je vais vous laisser là pour cette rediff. Merci à vous, YouTube, d'avoir regardé cette rediff. On se voit la semaine prochaine avec le second mariage. On prend les mêmes sims et on recommence. Et puis, du coup, bah, on fera le PB. Même si j'ai pas encore atteint une première compétence niveau 8, je suis un peu obligée d'avancer. Donc, voilà. Bye, YouTube. Des bisous à tout le monde. Et puis, bah, semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos commentaires, vos impressions, tout ça. Des gros bisous. Ciao.